400 à la vitesse où tu roules, survivre un seul virage, c'est déjà un exploit. Ah bah je vois. En fait, tu me diras ton sac dans mon coffre. C'est pas parce que je te ramène le dimanche que tu vas te sentir obligé de squatter ma voiture. Ah non, là je t'ai bien coupable. Mon sac il est chez moi et il bouge le couloir. D'ailleurs, t'as pas été allé dessus tout à l'heure. Et t'as qu'à ranger ta voiture de temps en temps. À l'odeur, ça doit arriver de plaisant, pas vrai? Hey. Ouais, je sais. Ta gueule, tu m'emmerdes. Je connais le refrain par cœur. Oh, qu'est-ce que tu fous là encore? Putain, mais cette odeur, ça m'emmerde là. Tu t'en as parlé, t'aurais dû fermer ta gueule. Ouais. Bon, on va plus te caler maintenant. Allez, il est presque minuit, moi j'ai cours à 8h demain. Bah, j'ai pas l'intention d'y aller, mais bon. Quand t'as long, ça compte. Oh Loïc, qu'est-ce qu'il y a? Oh bordel, tu réponds, qu'est-ce qu'il y a? Putain Loïc, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Qu'est-ce que tu fous avec un macabé dans ton putain de coffre? Mais pourquoi veux-tu que j'ai un macabé dans mon coffre? Bah justement, c'est ce que je te demande, pourquoi? T'as fait une connerie, t'étais bourré, tu l'as renversé, c'est ça? Parle, c'est ça? Mais non, mais que dalle, je te jure, putain, que dalle! Mais comment il est arrivé là alors? Putain, on nage en plein! Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Faut qu'on aille voir les flics, hein! Bon, t'emballe pas, on va pas aller voir les flics. Moi j'ai déjà donné aujourd'hui. Puis qu'est-ce que tu vas leur dire? Quand on a trouvé le cadavre d'un type qu'on connaît pas dans le coffre de notre voiture? Peut-être ils vont pas te regarder avec les yeux ronds, les keufs, hein! Mais c'est peut-être pas le pied! On a rien fait, on a rien à se reprocher! Si on va les voir, ça prouve qu'on n'a rien fait. Mais ça montrera que dalle, les flics ça va toujours au plus simple. Et à ton avis, c'est quoi le plus simple? Que je vais renverser et que j'aille les voir pour essayer de me disculper? Ou alors que paf, il est atterri là par l'intervention du Saint-Esprit? Bon, réveille-toi. Faut savoir qui il est, d'où il vient. Après, on pourra peut-être en faire quelque chose. Faut le fouiller. Bien sûr, on va le fouiller. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive, bah, je leur demanderai de nous aider à faire les poches. Ça va, ta gueule, faut le fouiller, alors on va le fouiller. Hein? Attends, moi je chauffe pas ce truc là, hein. Mike, c'est sérieux, là, on n'y arrivera pas si on se tire dans les pattes. Attends, c'est un peu facile, moi j'ai rien fait, j'ai rien demandé, je me retrouve à me débarrasser d'un macabé. Putain, je crois même pas ce que je viens de dire. Mais attends, on est dans la même mer tous les deux, hein. Allez, tu tires le sac, tu le dégages et tu lui fais les poches. Tu fais chier. Oh putain, là on va pas lâcher gerber, là. Ah putain, puis ça pue. Alors t'as trouvé quelque chose? Que dalle. T'es sûr? T'as cherché partout? Bah écoute, j'en ai déjà trouvé pour ce soir, alors si t'es pas content, vas-y cherche. C'est ta voiture après tout, j'en ai rien à foutre moi. On va attendre encore longtemps avant d'aller les voir les flics. Je te dis qu'il n'était pas question d'aller voir les flics. T'as compris ou faut que je te le dise autrement? Après tout, ils auraient peut-être pas tort les flics. Pardon? Tu l'as renversé, c'est ça? Putain, je te jure que si c'est ça, je me bats et je te laisse tout seul dans ta merde. Écoute, il est hors de question que je porte le chapeau, surtout quand j'ai rien fait, ok? Personne ne me fera payer les pots cassés, toi ou un autre. Compris? On est dans la même merde tous les deux. Il serait temps que tu l'acceptes. Parce qu'il va falloir faire quelque chose, et vite en plus. Parce que plus on reste de temps avec ce truc, plus ça craint pour nous. Ouais bah ok, bah alors on le balance, dans un fossé, dans une décharge, et puis on prie pour qu'il ne le retrouve pas. Non, là. Non, c'est pas jouable. Il faudrait qu'on traverse à peu près la moitié de la ville. Et pas question de se faire serrer par les flics, rien que de chez moi ici, on a eu de la chance de pas en croiser. Attends. C'est peut-être tordu, mais tu penses pas qu'on l'ait mis là, parce qu'il te connaissait? Ou alors on a voulu te faire peur? Comme dans le parrain de Coppola, tu sais, avec la tête de cheval dans le plus bar du type. Mais merde, faut qu'il y ait une raison, c'est pas possible qu'il atterrit là comme ça. La question de l'histoire, c'est de savoir comment ce connard est arrivé là. Mike, qu'on en est plus à se poser les questions. Si moi-même j'arrive pas à faire le lien entre ce mec et moi, les flics n'y arriveront pas non plus. Du moins s'ils nous trouvent pas ensemble. Et ça me fait peur. Donc en gros, si on roule avec, on est mort. Si on reste avec, on est mort, c'est sûr.
enfin. Alors on est baisé jusqu'à l'os, mais merde. Mike. C'est ce qu'est un rémora.